Da 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 di da di do di da di da der. Ars fatalis, il est là. On y va. Burp, burp. Ars fatalis. Tch, tch, tch. Ouais, l'intro, on l'avait vu il n'y a pas si longtemps que ça. J'en remettrai une fois l'intro au mois de septembre. Alors, reprise. C'est très bien que j'ai fait ma sauvegarde reprise. Ça m'évite de gamberger au niveau des dates et horaires de sauvegarde. Très très bien. Ouh, à mon avis, on va y rester 2 bonnes heures. Ah oui, le roi. Alotar, roi des gobelins. Je dis personne, dérangez-moi. Ouais. Moi, roi. Ça y est, il est en train de pester. Il a vraiment un sale caractère, ce roi. Alors là, j'y peux rien. J'ai un petit bug d'affichage. J'ai un curseur de saisie de texte en rouge qui devrait pas être là, mais bon, tant pis. Oh, ça gâche pas tant que ça. Ça gâche. Le visage de Thunsen. Oh. Mais Thunsen, je crois qu'il est même plus là pour te répondre. Je crois qu'il s'est barré. Tu connais à quel point il est volage, mais volage dans le sens la fidélité aux chaînes Twitch. Il va à droite, à gauche. Fait des passages réguliers mais éphémères. Alors lui, son cas, c'est toujours pas arrangé. Monsieur Gobelin dort en lévitation, 1 mètre au-dessus de son lit. C'est... Waouh! C'est un grand démon, ce gobelin. Il le sait pas lui-même, mais il a un symptôme plus grave que... Que... Comment on appelle ça? Le somnambulisme. Allez, maintenant toi t'en aller. Moi me concentrer sur glorieux futur. Moi parler... Ah, toi pas beau. Pff. Moi parler à beaucoup de monde parce que je suis coincé. Dégage, sale humain. Oh là 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 là, mais ils sont infects. Le cuistot, il faut que je parle à tout le monde. Ah, il réagit pas. Il est comateux. Il s'en remet pas, il est en état de choc. Il dit merde, mais j'ai empoisonné mon roi. Alors que c'est moi qui ai donné la chiasse au roi des gobelins. Je suis persuadé que le problème se solutionne ici, mais il faut que je parle à tout le monde. Lui, il va me dire c'est pour ouvrir la grille, peut-être. Attends, si j'ouvre la grille, il va avoir l'air ridicule. Ouais, bon, bref. Attends, il y a quoi sur cette table déjà? Oui, ouais, y a de la bouffe. C'est fermé. Ouvrez-moi la grille. Pas possible! Attends que l'intendant a dit, personne ne passe! Donc, si je vais voir Atok, il va me dire dégage, mon destin est de devenir roi, là, il va m'envoyer bouler. Je peux toujours essayer de le provoquer. Mais je pense que c'est une partie de ping-pong entre les différents antagonistes. Pour démêler la situation. C'est pas possible autrement. Par rapport à ce que j'ai fait au précédent épisode où je tournais en rond, je suis sûr que c'est à cause de ça. Dis-moi, Atok. Ah bah tiens. Seigneur Atok. Qu'y a-t-il de si important dans cette réserve? Pourquoi personne ne peut y entrer? Qu'est-ce que toi soupçonner? Moi, rien à cacher ici. Et de quoi toi te mêler? Si je vais revoir le gardien, il va me dire la même chose. Ah, toi pas beau.
Il a toujours autant de vocabulaire, cet abruti, on peut le dire. Je vais revoir le gardien de la réserve. Enfin, le vigile de la réserve. Est-ce qu'il change de discours? Il a pas reçu d'ordre ou de... Je pense pas. Seul le roi peut donner autorisation. Et attaque. Eh ben, je vais me faire une joie d'aller voir le roi sur son trône, là. Comme, hein, messire a des petits problèmes gastriques. Eh ben, le roi va se faire un plaisir de me donner l'autorisation. Hein, monseigneur, enfin monseigneur, non, c'est pas le bon titre. Je dois retrouver l'idole volée au troll. J'ai donc besoin d'accéder à la réserve. Toi, marchand de gemmes, roi des gobelins très occupé, laisse-moi. Votre Altesse, j'avais pensé qu'une intelligence supérieure comme la vôtre aurait compris l'enjeu de la grève des trolls. Si je fais fausse route et que je ne trouve rien là où je cherche, vous pourrez toujours me jeter dehors comme un malpropre. Mais en revanche, si je retrouve l'idole, c'est vous et vous seul qui sauverez, par votre génie suprême, l'économie de votre empire. Moi et moi seul, j'ai décidé de laisser faire des recherches. Garde, ouvrez la réserve. Ah, il donne les ordres en gueulant depuis... Enfin bref. J'ose même pas aller voir l'autre là qui veut devenir calife à la place du calife. Il va être en pétard. Ah bah non, merde, je prends le chemin justement. Je me gourre. Ah ouais, non, mais. Ils sont redoutables, les gobelins. Et là, j'ai le droit de passer, puisque le roi a dit. D'accord, humain. Tu peux entrer. Ouais, tu ne touches à rien. Moi, surveillez-toi. Touchez à rien. T'es rigolote. Elle m'a l'air bien vide, leur réserve. Excusez-moi, mais. Ah, il y a des torches. Attendez. Il va rien voir et je vais sauvegarder parce que les torches, je les prends pour moi. Je veux les torches. C'est vachement pratique. Bah tiens, exactement, réserve. Pas la mienne, mais la leur. Exactement, très très bien. Allez hop. Je sais plus, je peux les cumuler les torches, je crois. Hein. Ouais. Allez, un impôt nouveau. Avec l'aval du roi. L'impôt sur les torches. Toutes les torches que je vois, elles sont à moi. Bon, évidemment, celles qui sont sur les murs, j'ai pas l'air débile. Attendez. Voilà. Oui, on les voit mieux. C'est fermé. Comment je peux mettre la main sur l'idole si elle devait être dans ce coffre, si le coffre est fermé? Faut que j'aille aller demander au roi qu'il me cède sa clé pour ouvrir le coffre? C'est débile à ce point. Et si je réussis à résoudre la quête, excusez-moi, mais je me barre avec les jambières de Marie. Hein. Ça me fera encore une meilleure armure. Dégage, sale humain. Bah. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, garde important du roi Alotar, stupide humain. Ouais. Bon, les gobelins infectent. Bon, hein, messire, roi des gobelins, là, il me fout une clé. Si sa majesté veut bien dédaigner la dégainer pour que je puisse ouvrir le dit coffre précieux. Sire, votre intelligence force le respect. Je sais. Voilà, je crois que tout est dit dans ce dialogue. Quelle ironie quand même.
Là, j'ai pas le droit, je présume. Hein? Dégage! Oh! Ils sont infects. Oui, non, ça c'est autre chose. Il faut quand même pas que je force la serrure de moi-même. Parce qu'ils m'ont donné aucune clé, on est d'accord? Attends, l'autre. Hein? Il dit quoi? Seigneur Atok, pas de temps à perdre. Tout va bien. Tout va bien chez les gobelins. C'est... Ils sont très spéciaux. Bon. Je présume que j'avais essayé. C'est fermé. Oui, le contraire m'aurait étonné. Mais je sais, j'ai quoi comme clé? J'ai deux clés au trousseau, c'est pas les bonnes clés. Ah non, c'est pas possible. Non, mais il va falloir que je force les serrures, c'est obligé. On voit que le coffre est important, il est en rouge. Ah, je l'ai ouvert. Ah, en rouge voulait dire qu'il y avait un piège. Merde. Je me suis mangé de piège en pleine tronche. L'idole des trolls. Eh ben voilà. J'ai plus de place dans l'inventaire. Merde. Attendez. Merdoum. Putain, ça prend de la place, l'idole des trônes. Je réfléchis comment gérer intelligemment mon inventaire. J'en suis à ce niveau, hein, je suis désolé. Tu me diras, ils sont pas loin, les intéressés. Mais j'aurais peur qu'ils referment derrière moi et qu'ils m'interdisent de revenir ici. Parce que je serais tenté de déposer momentanément dans ce coffre des affaires à moi. Mais je la sens pas. Je sais pas pourquoi. Avec les gobelins, on peut tout sauf leur faire confiance. Merdoum, je fais quoi? Voilà, je sais pas quoi faire. Je n'ai aucune idée. Je suis fou. Je vais vendre. Je vais revoir. Vous savez là où il y a le roi des humains. Et ça va faire un énorme aller-retour, hein, mais le jeu est magnifique. Je vais aller jusqu'en ville humaine, vendre mes pierres précieuses, machin, vider mon inventaire. Qu'est-ce qui se passe? Trésor à moi! Toi être maudit! Moi aller devenir roi des gobelins! Moi manger gâteau toute la journée et même la nuit! Alotar incapable! Lui pas mérité être roi! Lui pas savoir traiter avec imbécile de troll! Tout ça être ta faute! Moi vais te tuer! Toi avoir fichu royauté à moi en l'air! Oserais-je dire qu'il en a une grosse? Il manquerait plus qu'ils savent s'en servir, visiblement. Il va me faire bobo, lui. Double dommage, magnifique. Victoire!
fatalité. Oh, petite clé en métal. Pourquoi avait-il une clé en métal? J'ai forcé une de ses serrures, moi. À quoi peut correspondre cette clé? Ah, c'est l'autre réserve. Là où il voulait pas qu'on approche. J'aurais le droit à un double jackpot? Oh, c'est excitant. Ça me plaît. Attendez. On va le mettre dans trousseau de clé. Non, merde, faut faire usage du... Comme ça, peut-être. Non, c'est l'inverse. Oui, c'est comme ça qu'on fait. Nickel. Plastron en cuir. Ah, endommagé. Bah oui, je l'ai pataté. Non, le mien, il est mieux. Mon plastron en cuir, il est... Il est enchanté. Un anneau non identifié et de la thune. Bah, je prends. Oh, son épée. Un sabre. Requis 8 en force. Ah, je vais pouvoir la prendre. Ah, j'ai combien moi en force? C'est ça hein, ma force. Non, c'est ma classe d'armure, merde. Les dégâts. Apparemment j'ai pile 8. Ah, c'est ça ma force. Pile 8. J'ai pile. Merci pour les clips. J'ai pile ce qu'il faut pour maîtriser son arme. La classe. C'est... Ça fait plaisir. Alors attendez. Attendez, je m'en équipe, c'est obligé. Je ne sais pas encore faire ça. Ah bon? Ah, requis 50 en combat corps à corps. Merde, j'ai parlé trop vite. C'est où la stat corps à corps? Ah, combat corps à corps, j'ai 27 sur 50. Je suis loin de... Bon, bah, mes prochaines augmentations de stats, tout va aller dans corps à corps. Waouh. Parce que son épée, elle m'a fait mal. Hein. Les quelques fois où il m'a touché, punaise. J'ai dégusté. Changement de programme. Je vais pas aller tout de suite dans la ville des humains revendre le matos avec un truc pareil que je peux pas me servir maintenant. Je vais la mettre dans ma réserve à moi. Donc c'est encore un autre périple que je vais poursuivre. J'ai trop de trucs là, c'est génial. Bah c'est bien, on avance aujourd'hui. Décidément, quelle journée. Il y a que Spell Lucky qui m'aura pas vraiment réussi jusqu'à maintenant. Mais qu'est-ce que je fais? Je laisse le gourdin misérable et je me barre avec la torche. Je vais me servir de lui honteusement comme d'un sac. Hop, je vais mettre le gourdin sur sa dépouille. Oh, que ça me plaît beaucoup. Ah, il a fermé la porte. Oh, le sadique. C'était ça, la clé. Voilà, on connaît l'utilité de la clé. Le salopard. Ah, le vil gredin. Il est mort. Il est désormais plus mort que vif. Ah ouais. Attends, c'est moi quand j'ai ouvert le coffre maudit, lui il est mort. Oh. Génial, il a un capuchon de maille. Je veux mettre ça, j'ai pas ça moi dans ma tenue. Magnifique, j'ai un capuchon... Oh, une torche offerte par la maison. Et de 7. Non mais c'est magnifique, j'ai le beurre, l'argent du beurre et la culotte de la crémière. C'est... Je suis en joie. Mais c'est génial. J'espère qu'ils vont pas m'en tenir rigueur et qu'ils vont pas me casser la figure là. Parce que ça fait beaucoup de morts en peu de temps. Mais ça me plaît beaucoup. Non, c'est l'inverse.
C'est usage de la clé sur trousseau. Voilà. Je vais re-sauvegarder dans un autre emplacement, on sait jamais, parce que là j'ai dépouillé un autre cadavre, donc potentiellement on pourrait dire que mon casier judiciaire s'alourdit. On va essayer de se la jouer diplomate, hein. Une épée courte. Je veux la prendre aussi, l'épée courte. Merdoum, attends, j'ai la place dans l'inventaire. C'est pas perdu non plus. Allez, zou. Zou. Hein. Incroyable, mais vrai. Oula, je sais pas, il m'a parlé d'un truc, mais bon, ça va. Je reviens très vite, hein, laissez ouvert. Ah, par contre, je sais plus par où il faut que je passe. Il faut que je mette des trucs dans ma réserve. Ah non, mais c'est obligé, là, faut que je passe dans ma réserve, c'est... J'ai trop beau ce qui m'arrive, ça m'émeut. Ah. C'est joli chiffre quand ça se passe comme ça. Je dis oui. C'est cool. Je vais résoudre le coup de la grève. Oui, si monsieur lui donne la peine. Merci. Ma réserve, elle était là-bas au loin. Il y a encore un sous-sol à atteindre. C'était par où? C'était par là-bas. Non mais hey, je ne fais... Je devrais faire une pause d'un mois sur ce jeu. L'amnésie serait destructrice. Parce que de plus avoir le plan en tête de où est-ce qu'il faut déambuler... Et c'est que le début, hein. Je ne me promène que dans 3 sous-sols sur 8. Quand j'aurai accès au 8... Hérésie. Hérésie constante dans mon esprit. Ah, mes trésors sont ici. Alors. Bah tiens, d'ailleurs, la clé... Mais oui, mais attends, la clé... Je peux cumuler toutes les clés maintenant. Merde, mon inventaire est tellement plein que je peux même plus prendre la clé. Alors, je sais pas comment je ferai pour identifier les bijoux, mais plus tard, ce sera un festival. Les diamants, est-ce que je les garde ? Je vais les garder sur moi, parce que quand je vais restituer la statuette de totem au chef des gobelins, normalement, ça va être la fin de la grève avec les gobelins et les trolls, là. Les trolls vont vouloir accepter à honorer ma requête qui était de déboucher le passage qui donne accès à la ville des humains avec le roi et les commerçants. Ce qui fait que j'irai très probablement leur rendre une visite pour rendre des comptes, évidemment, au roi des humains. Ça va de soi, que je fasse le débrief de la mission réussie. Donc, je vais prendre mes richesses sur moi pour les vendre à ce moment-là. Je ferai une pierre deux coups. Vous voyez mon raisonnement pour ceux qui suivent les épisodes, si vous y arrivez. Hic, pardon. Un rubis. Bah, le rubis, je vais le prendre à un moment donné. Alors, les notes... Action Goblin, je vais garder sur moi. Enfin, sur moi, non, dans le... Hein. Une note de quoi? C'est quoi cette note? C'était quoi le texte de la note? Je sais plus.
Oh roi, surtout de pas boire de vin. Ah oui, c'était l'indice pour lui donner une bonne chiasse. Un beau souvenir, la note de la... De la diarrhée. Alors, mon précieux sabre. Bientôt, je pourrai le manipuler. Dague, je vais les garder pour les combats. Oh la vache. Les grosses dagues font deux fois plus de dégâts que les petites. Hein. Et puis, comme je sais pas faire le forgeron, je sais pas entretenir mes propres armes. Faut vraiment que je les conserve, que je les cumule, que je commette pas l'erreur de les vendre. Faut que je réorganise mon inventaire. Outils de pout, je vais mettre ça là. Lévitation, désactivation de piège. Ce sera pour plus tard. J'ai beaucoup de bouffe et je me vois pas faire de la cuisine. J'ai quoi dans le coffre? Ah bah tiens, j'avais un bijou non identifié. Oui, alors attends, le coffre va devenir un coffre à bouffe. Je vais mettre les tartes aux pommes là-dedans. J'ai vraiment trop de bouffe sur moi. Ça sert à rien d'en avoir autant. Hein. Oui, d'ailleurs, je peux m'amuser à les étaler. Ça sera rigolo. Poulet là. Alors, pardon pour cette phase gestion d'inventaire et de non-action. Mais qui fait partie intégrante de l'expérience de jeu. Merci de votre compréhension. Allez les petits frometons. À défaut de les manger, je vais tous les ranger, les petits frometons. Oh, il y a des bugs. Bah, bizarre. Au niveau de la gestion de l'inventaire, c'est capricieux, je trouve. Je trouve. Oh, c'est beau. C'est beau, toutes ces pommes. Les champignons mignons, là, j'en ai 3. Je vais les ranger en bas. Ah non, j'en ai 9. J'ai pas fini de les déplacer. Je vais garder les poissons cuits et les côtelettes de rat cuites. Et crues d'ailleurs. À mon avis, je vais carburer qu'à ça. Il me reste encore des cuisses de poulet. Putain, c'est la folie. Hein. Alors, 4 cuisses de poulet, je vais les ranger. Bon, mon perso, à ce niveau-là, n'a plus le droit de crever la dalle. Il a un garde-manger de gros malade. Oh, c'était bien. Souvenez-vous de l'épisode d'hier, quand je faisais cuire mon pain dans le four des gobelins. L'animation, elle était trop belle. Les boules de farine qui commençaient à enfler et soudainement, pop, comme du pop-corn, par la magie du démon, ça devenait tout doré. L'animation est trop rigolote. Les morceaux de miche aussi. Il n'y a pas que les miches entières qu'on va ranger là. Et ben voilà qui est mieux. Ouais, je vais garder la farine. Par contre, il faudrait que je trouve comment remplir mes fioles vides d'eau fraîche. Pour refaire de la pâte à pain et refaire des miches. Ça, il faut que je garde ça dans un coin de ma tête. Alors, mon inventaire est déjà beaucoup plus léger. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Alors, le bijou, il va falloir que je le dépose. Je vais pas prendre toutes les dagues avec moi, si. Je pense pas que je fasse autant de combats que ça. Faut arrêter la déconnade.
Je vais mettre les clés sur le... En bas à droite de l'inventaire. Voilà, je sais pas. Mortier pilon, je vais le mettre là. Ça m'a l'air pas mal du tout. Donc les bijoux, je les range là, les bijoux. Hop, je vais mettre au-dessus. Il veut pas, il ira se faire voir. La clé là, je vais la rajouter à mon trousseau. Là, j'ai un pieu, je sais pas quoi il va me servir. J'ai un rubis, je vais le vendre. Journal de bord. Je vais être malin. Parce que là, j'ai un jeu d'outils à faire péter les serrures. Il me reste 2 coups sur 5. Je le range et je vais prendre celui dont il me reste 4 coups sur 5. C'est plus malin. Que, ce serait dommage que je me trouve à court de traficotage de serrures. Pierre d'Amicard. Alors, je sais pas s'il y a un intérêt magique ou si c'est juste un truc qui vaut de la thune. Donc, étant dans le doute, je vais les garder en réserve. On sait jamais. Ça m'a l'air d'être bien. Bon, bah, je vais aller chez... J'avais quoi dans le sac de riz? Ouais, de quoi faire de la chimie, un peu de bouffe. J'ai du rabon. L'autre tonneau, je crois qu'il n'y avait rien du tout. Ah, il y a des os! Waouh! Eh ben, j'ai un bel inventaire. Elle est vachement bien, ma réserve. On continue. On va... Lévitation, non, pas du tout. Oh là là, ce nom correspond plus à ce que je vis, là. Idole, pas des jeunes, mais... la clé dans le trousseau. N'importe quoi, j'ai cliqué sur la fiole de... Le lot de fioles vides. N'importe quoi. Je vais boire un coup. Par où c'était? Je m'en vais destituer l'idole aux trolls, volée par les vilains gobelins. Tagadat, soin. Non, mince, c'est par là que ça se passe. Oh là là là. Ouverture, s'il vous plaît. Ouvrez-moi la grille. Ouvrez-moi la porte. Nya 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 nya. Dida dida da. Ça me rend fou de voir en lévitation là. Voilà, là elle est mieux. Alors, la dite idole. L'idole des trolls. Euh...
Attendez, je m'y prends vraiment comme un pied là. Oh la vache, la taille de l'idole, toi. Lui, il avait mon gourdin bonus. Mais je pourrais presque me barrer, mais ça prend de la place, les armures sur place, pour les vendre. C'est peut-être que ce que je vais faire, finalement. Avec les morts, là. Je vais pas laisser les... Hop. Laisser les... En espérant que les cadavres ne disparaissent pas. Je la sens pas. Ouais, je la sens pas. Je vais mettre, finalement, dans le coffre... Le butin. Parce que... ouais, si les corps disparaissent... Alors que dans le coffre, la logique voudrait que ça bouge pas. Si j'ai la liberté plus tard de revenir ici, hein, on sait pas la fin du monde si j'y ai plus accès à l'endroit, mais... Disons qu'on aura tenté une chance. Oui, attends, que j'essaye d'avoir et le... Oui, bah non, je peux déplacer le gourdin comme ça que je suis bête. Voilà. Allez, on va aller chez les trolls, leur restituer leur emblème idole. C'est marrant, c'est juste en face de chez les gobelins. Ah, ah. Je sais pas si une troll qui gère le barbuck va avoir quelque chose à me dire. Je m'interroge. Oui, là je peux écraser la sauvegarde. Merci. Bon, ça a le mérite d'être plus élégant qu'un magnifique row de gobelins. Et c'est déjà bien moins méprisant. Il est où le roi? Oh là là, on s'y perd chez eux. Il est là, je crois, oui. Quand toi avoir idole, toi donner idole, moi. Et troll, aidez-moi. Merci. Troll avoir idole à nouveau. Idole donnée au troll il y a longtemps, quand nous vivre à l'extérieur. À votre tour de nous aider maintenant. Oui, maintenant nous aider vous, mon peuple enlevé rocher. Aruga, Wontar, Glock, Aruga. Oh, j'ai monté de niveau. Alors, combat corps à corps, plus 15. Je suis fou, mais je veux absolument maîtriser l'arme de celui qui a osé tenter m'assassiner. Ah. Je sais pas si je peux mettre des... Ah si, je peux mettre des points ailleurs. Dans le mental, le niveau de mana. Oui, j'aurais besoin de mana, je pense, à un moment donné. Là, il n'y a plus de points. Oui, non, il n'y a plus de... Oui, non, c'est bon. J'ai dépensé mes points de... Encore, j'augmente encore d'un niveau, et puis... Je pourrais maîtriser la superbe arme du grand vilain qui a tenté de m'achachiner honteusement. Je crois pas avoir parlé aux autres trolls, je m'en souviens plus. Faut surtout pas que je néglige les dialogues avec tout le monde, c'est super important. Je sais pas quel est le troll qui était en haut là. Ah bah ça y est, ils ont repris le boulot. Ils ont repris le boulot. Ouais, ça c'est la sortie. J'aimerais bien échanger un peu avec les trolls. Ah, il n'y a personne ici. Oh, ça va être comme hier. Je vais me fourvoyer dans leur dédale. Malgré la carte. Ça va être... Wouh! Ah, oh, va pas me mettre un coup de pioche dans la tronche, s'il te plaît. Toi, ami? Oui, oui. Toi, ami? Oui, oui, moi, ami, moi, ami. Oula, toi, grand travailleur.
Oh la vache, la pioche à une main, ça me laisse rêveur. Ah, est-ce que le roi veut dire autre chose? Il a peut-être un autre besoin, allez savoir, il y a peut-être une autre quête à honorer. Vous devriez vendre vos gemmes vous-même. Moi, pas assez intelligent. Moi, pas connaître finance ni vente. Je trouve un bouquin de formation en commerce. Je vais me mettre tous les gobelins d'eau. Si c'est possible, je pense. Parce que de la manière dont il vient de me répondre, je pense qu'il y a moyen de décongestionner la situation. Ou lui trouver un mentor. Trouver un mec qui acceptera de le former. Toi, ami ? Oui, oui, moi, ami. Toi, ami ? Oui, je suis ami avec tous les trolls. En même temps, le contraire serait extrêmement fâcheux. Parce qu'à l'idée de me faire démonter la tronche. Mais j'ai une pensée aussi pour le... Souvenez-vous du troll isolé, là, qui vit en mangeant des poissons et en faisant des sculptures dans son coin. Il m'avait parlé de quelqu'un vit je sais plus où. Et ce je sais plus qui, bah, j'aimerais bien lui mettre le grappin dessus. Mais je sais pas qui c'est, je suis pas sûr qu'il soit dans le territoire des trolls. Sinon, tant pis, je vais aller me rendre riche en allant dans la cité des humains et puis faire le débrief au roi des humains, hein, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. C'est ce qui me reste à faire. Ah, mais ils sont plus dans leur réserve. Est-ce qu'ils ont des trucs intéressants? Une fiole d'eau, oh. Ah ouais, mais la fiole d'eau, attends. Parce que, ouais, après ça va me faire une miche de pain, mais ça va me prendre une place dans l'inventaire. C'est fermé. C'est fermé. J'ai pas les clés. C'est fermé. Non, mais non, j'ai pas les clés. C'est abusé. Très lourd de pierre. Encore des os. Très lourd de pierre. J'ai quoi? J'ai du poisson cru. Ah, frais, ouais. Et de l'ail. Je vais sauvegarder. Je vais oser avoir le culot de forcer les serrures des coffres de mes amis trolls. Mais c'est trop tentant. Investissement. Si on veut. Youhou! Je suis un saligo. Je pense que j'ai endommagé mes outils. Ah, merde. Et voilà. Ah! J'en ai un sur deux. Pas vraiment concluant. Merde, j'entendais pas. Il y a quelqu'un. Là, 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 là. Non. ils m'ont pas vu. Je pense que j'ai endommagé mes outils. Ouais, il va péter le truc. Pas vraiment concluant. Non, alors je peux. J'ai les moyens d'ouvrir celui de droite, mais pas celui de gauche. Alors je suis malhonnête intellectuellement. Puisque je vais recharger ma partie. Vous n'avez rien vu. Qu'on me restitue neuf mon kit de forçage de serrure, s'il vous plaît. Bon, avouez-le devant l'écran, vous aussi vous aurez fait pareil. Je le sais. Et voilà. Allez, c'est quoi le cadeau? Deux torches, un rubis. C'est moche le vol, le crime ne paie pas, mais. Ah, une corde pourrait servir. Acquisition de torches. Ça m'en fait neuf, toute neuve. Ah, je serai plus jamais dans l'obscurité. Ça m'émeut. C'est ça qui est beau. Eh, si un jour j'arrive à être vraiment malin en crochetage, je forcerai l'autre coffre. Je suis un démon. Allez, savoir. Oh, on s'y perd chez les trolls. Thank you.
Ah oui, non, il y a... Oh là là... Non, c'est la fosse, ça. Ouais. C'est la fosse, c'est la fosse. Mais j'ai vraiment l'impression, par contre, de jouer à Rising World. C'est... Les galeries, franchement, ont vraiment le même aspect. Rising World, qui est un semblant de Minecraft en 3D... enfin, en 3D dans ce style-là. C'est... En fait, je devrais bien vous vendre en quelques mots Rising World. Je vous présenterai ça comme étant Minecraft avec le moteur du premier Red Faction. Voilà. En gros, hein, c'est... Ah, oh! Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ouais, laissez-moi tranquille! Tiens, tiens. Malin, lui. Bon, je vais... Ouais, c'est par là, les humains. Ok, c'est pas du tout flippant dans la narration ce que je viens de vivre. Oulala, il y a une entité supérieure qui parle à moi directement. Alors là, ça prend des airs justement de Elder Scrolls Morrowind quand le Never arrive. Mais je le boxe le seul rat. Mais j'arrive pas à l'atteindre, le salopio. Mais il va mourir, oui. Ah, ça touche. Ah, salopio de rat. Oui, non, je disais, ça ressemble à Morrowind. Lorsque le Neverarin, donc le héros prophète qu'on incarne, enfin, héros futur prophète, qu'on incarne dans Morrowind est directement agressé dans son sommeil par son grand ennemi antagoniste qui est Dagoth Ur. Quand il lui susurre des visions et des paroles, c'est bon. Mais c'est pas con hein, comme narration, mais ça fait flipper. Salopard de rat, il avait aucune côtelette de viable sur lui. Alors que je l'ai proprement boxé au point. C'est quoi ça? On dirait un truc. Non? Étrange. Quel est ce bouton du démon? Ça se pète pas à la pioche, on est d'accord, c'est trop gros. Pardon, je sais pas comme ça qu'on fait. Non. Voilà. Retrouver le chemin de la cité humaine. Je suis pas dans la mouise et je vais prendre une torche. C'est le moment rêvé d'avoir la torche magique. Et sa croasse, sa croasse. Merdoum, c'était où la cité des humains dans ce dédale? Alors, il y a même des champignons au sol. Un jour peut-être, attention au truc de toile d'araignée. Merdoum. C'était... Oh, 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 oh. Bah alors, pourquoi il me met pas là, cet idiot? L'inventaire est même pas de capable de cumuler proprement les joyaux. Ah, il y a un rat de mes deux. Ou il est mort. Ah non, il est mort. Il est mort, le vilain rat. Ah merde, j'ai fait le tour de mon truc là. Il y a les champignons de... Je vais garder les champignons, je vais pas les cueillir. Ils me servent d'indication géographique là, de repère. Mais merde, je suis en train de tourner en rond. Il est où l'escalier qui monte aux humains? Mais je viens de là, moi. Oh, yogourt, je suis perdu. Ah, les tonneaux, c'était par là. Je me souviens des tonneaux. Il faut pas que j'aille plus loin, parce que plus loin, il y a la satanée créature qui me pète la tronche.
voilà, hop. Oui, je vais devenir riche. J'ai plein de pierres précieuses à vendre. Ça va me libérer de l'espace d'inventaire. Et je vais avoir de la thune à sa puce, savoir quoi en faire. La 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 la. L'euphorie. L'euphorie du gain. Sésame, ouvre-toi. Blah. Alors, on va être poli, on va refermer. Derrière soi. Les marchands, ils sont où, les marchands? Ah! Oh. Bonjour, monsieur. Vous êtes marchand? Venez me rendre visite à mon échoppe aux heures d'ouverture. Merde! Voilà. C'est tout ce que j'ai à déclarer, je suis dégoûté. Au secours, non! C'est la nuit, mais je veux pas le savoir, moi, dans le Poirac, c'est la nuit. C'est vraiment le ciel qu'on voit, là. On est au premier sous-sol, donc... Oh non, je suis arrivé au moment où tout le monde est fermé. J'ai la malédiction. Bon, j'allais faire mon rapport à Monseigneur Prout-Prout des humains. Allez, go. Tant qu'à faire. Hein. Eh ben, je vais peut-être aller me promener dans le château, là. On avait fait un bref aperçu des corridors, mais on n'avait pas essayé d'ouvrir les portes, ni les contenants. Il nous faut plus de renseignements sur ces tremblements de terre. C'est de plus en plus préoccupant. Ces secousses ont toujours existé. Mais ces derniers temps, il est vrai qu'elles ont été plus nombreuses. Je pense que le canal de puissance mis en place par les adorateurs d'Akbar doit déranger le cours naturel des choses. Il faut que tout cela cesse rapidement. Pensez-vous qu'il y ait un risque d'effondrement général? Si c'était le cas, notre ordre l'aurait perçu. Le véritable danger en ce moment, c'est Akbar. Restez tous deux vigilants et prévenez-moi si vous avez du nouveau. La guerre, on avait bien besoin de ça. Bon, hein, messire, révérence, Krigboom, voilà, comme ça, hop, révérence. Je vous remercie à nouveau, étranger. Les rochers ont bien été retirés. Je vous prie d'accepter ceci comme récompense. D'ailleurs, à mes yeux, vous n'êtes plus vraiment un étranger, et je vais sûrement pouvoir vous offrir bientôt une activité au sein de mon royaume. Je vais y réfléchir sérieusement. Très bien, que penseriez-vous de devenir? Nous avons trouvé une autre trace de rituel. C'est le troisième en moins d'une semaine. Où s'est-il déroulé cette fois-ci? À côté du conduit d'aération, Majesté. Cela a peut-être à voir avec le meurtre de Phalanor Diplanax. Probablement. Je vais mettre mon nouvel ami sur l'affaire. Vous pouvez disposer, Carlo. Très bien, sire. Bien. Que pensez-vous de ceci? Je vous propose d'enquêter sur cette secte de l'ombre qui a sûrement fait exécuter Phalanor Diplanax, oui, notre ancien astronome. J'ai besoin d'une personne extérieure au château et qui n'ait pas froid aux yeux. Acceptez-vous de me prêter assistance? Oui! L'affaire semble confuse, Majesté. Mais je peux toujours mener une petite enquête. Je suis sûr que vous ne me décevrez pas. Vous serez libre d'interroger n'importe lequel de mes gens si vous avez le moindre besoin d'informations. Garde! Laissez à cet homme l'accès à tous les quartiers privés du château. Oui. En outre, cher Amshagar, voici la clé de l'une des chambres royales. C'est maintenant la vôtre. Vous pourrez vous y reposer et y déposer quelques affaires si vous le souhaitez. C'est un beau geste de votre part. N'en parlons plus. Nous tiendrons un conseil dès que vous nous amènerez des indices sur ces événements inquiétants. Double référence. Bah, là, j'apprécie beaucoup sa seigneurie. Oh, il y a des trappes, il y a des choses. C'est quoi ça? Appartement de Felnar. J'ai vraiment du mal à lire la police de caractère. Là, c'est quoi? Appartement de
Fallon Orbi. Ah, bah c'est celui qui a assassiné. Bah merde. Pourquoi on a... bon, il faudra que je pose la question au roi. Pourquoi la chambre de la victime est verrouillée? Quoi? Suis Burry. Pardon? Je rêve ou le garde a roté derrière moi? Tout va bien. Fermé. Ah! Les toilettes, peut-être? On ne saura jamais. Oh là là. Alors, Laurel Lanshire. Ah, c'est le roi, je crois, non? Ah! C'est quoi ça? Ah, c'est un champ de force? Oh. Oh. Alors, je vais sauvegarder là, parce que je commence à me... à prendre des libertés, hein. Liberté égale danger. Roi, oui, voilà, très bien, le nom de la sauvegarde, c'est parfaitement cohérent. Oh là 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 là, mais quelle aventure. Je... Ah, attends, les pieds, non, les pieds. Oh, faut tout scruter, hein, faut se méfier. Il peut y avoir des petits boutons cachés ou des indices. Bon, je ne sais pas me servir des trucs de téléportation. Appartement Dame Shagor. C'est fermé. C'est une ombre portée ou c'est un mur qui coulisse? Je... Il y a un chandelier qui se tripatouille. Ah! Tellement classique. Je déclenche des trucs. Oh! Mais qui êtes-vous? Respecter les lois du royaume. Mais parfaitement, monsieur. Comment je fais pour revenir en sens contraire? Ah merde, je peux pas. Merde, c'est à sens unique. Oh le con. Au secours, je veux retourner dans le château. Eh, c'est pas mal. On peut se barrer. Eh, c'est pas là qu'il y avait la femme serpent dans la bibliothèque? Ah non, c'est pas là. Merde. C'est quoi ça? Ah, salle du conseil. Excusez-moi. Ah bah non, je suis encore dans le château, je suis pas dans le... Je croyais que j'étais retourné en ville. Ah, ah, vous avez vu la farce, mon seigneur, là? Comment ai-je fait? Je suis content de pouvoir compter sur votre aide précieuse, Armshagar. Vous me direz pas pourquoi j'ai pas accès à la chambre du défunt? Bon. Ah, malin, j'adore. Allez, pour le plaisir. Bah, ça marche plus. Ah, c'était pas là. Oh, le con. Bah, c'était où que j'ai fait le coup du... Attendez. Attendez, attendez. Longshire, oui. Et alors, j'étais par là, et... Mais non, c'était... Bah si, c'était là. Bah oui, ça se voit que c'est pas un mur comme les autres. Voilà, c'était ça. Bon allez, tu peux le refermer, c'était rigolo. Mais c'est bon à savoir. Si je dois me barrer... Putain, mais tout est fermé ici. Ouais, je vais refermer derrière. Je vais laisser le roi. Oh, gente dame. Bonjour, madame. Oh. O, voilà, voyelle, consonne. Au revoir, madame. Oh là là, mais c'est la folie ce jeu.
Oui, oui, oui. Ah, armurerie. Bonne nuit, les gars. On en a besoin. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, soldat, bonne nuit. Ouais, ça va, ça jouait bien, les gars. Bon, je veux pas vous enquiquiner, hein. Ils ont fait le tour de garde dans la journée. Oh, c'est grand, ce château. C'est quoi, ça? Oh, il y a eu un sacrifice au poulet. Ah, c'est là, le rituel. C'est ça, la marque de rituel. Un poulet sacrifié avec le logo de... On va dire un 4, là, je sais pas quoi. C'est ça qui était indiqué. Et les vilains sont passés par la trappe, c'est évident. Pourquoi j'ai pas accès aux trappes? Je devrais avoir le droit d'accéder aux trappes. Bibliothèque et laboratoire. Voilà, c'est la femme serpent. Je vais vous lire un bouquin. Bonjour. Celle qui m'avait fait hurler là, la dernière fois. Oh, un petit coin lecture posé à l'angle avec toutes ces boiseries, mais c'est merveilleux. Ça, on dirait presque une porte. Je suis suspicieux. Pourquoi il y a un pentagramme au sol? Magie du démon, là, ou... C'est... Tota! C'est une nouvelle version, mais ancienne, de démonologiste. Ah, mon Dieu. Je me permets, hein, excusez-moi madame. Je l'ai même pas salué, je suis impoli. Bonjour madame. N'auriez-vous pas tracé ce pentacle avec du sang? N'importe quel véritable initié des arts mystiques saurait que cette figure géométrique nous protège du démon. Depuis le meurtre de notre astronome Phalan Orbi Planax, je sens que quelque chose de maléfique plane sur Arx tout entier. Et ces rituels? Qui a tué Orbi Planax? L'obscurité émane de ces rituels. La mort de Phalan Orbi Planax porte sans aucun doute la signature de ces noires pratiques. Phalan était un homme de bien, droit et constant. Il aura, je suppose, découvert quelques vérités au sujet des auteurs de ces rites. Oui. Il n'en ignorait pas assez, comme on dit. Oui, c'est très ASMR, la voix des femmes serpents. Je te l'accorde, effectivement. Bon, bah, j'ai réponse à ma question. Elle se protège du démon avec le pentacle au sol. Ok. C'est bien. De l'intérêt de saluer les femmes serpents. C'est beau. J'aime le jeu de lumière. C'est magnifique. Ah, une herse avec un rat dedans. D'accord. C'est quoi cette magie du démon? C'est quoi ce cube Oula, le magicien, faut qu'il me donne un cours, là. Je sais pas. C'est un champ de force? Personnage. Ouais. La magie des potions par Siro... Oh, j'ai envie d'apprendre l'alchimie. C'est tellement beau. Une porte. Oui, une grille de je sais pas quoi. Bon, je touche pas, c'est pas moi. Par contre, le livre, je veux bien le lire. Ah bah, il y a que deux pages, ça va aller. Alors, concocter ses propres potions est à la fois simple et facile. Ah ah. Cela nécessite simplement rigueur et patience. Vous devez tout d'abord vous munir d'une fiole. J'en ai 10. Vous devez... Alors ensuite, il vous faut le réactif spécifique à chaque potion. Quand vous l'avez obtenu, vous devez le réduire en poudre dans un mortier. J'ai un mortier! C'est ensuite que vous pouvez le mettre dans une fiole. Ok. Il vous faut alors distiller la mixture. La potion est prête. Voici une liste des réactifs connus et reconnus. Pour des potions de mana, utilisez de la poudre de lys, la poudre bleue. Pardon, énorme rototo, là, il fallait que je digère. Donc, poudre bleue, la mana, la magie, ça se tient, hein, c'est dans les codes vidéoludiques classiques.
Pour des antipoisons efficaces, utilisez des herbes médicinales, poudre violette. Ah bah j'en ai 4. Enfin, je parle des matériaux bruts, hein. Je parle pas des potions que j'ai déjà sur moi, en plus prêtes à l'emploi. C'est merveilleux. Pour une potion d'invisibilité, utilisez des personnages, poudre blanche. Il y aura moyen, intérêt à se cacher. J'espère que ça arrivera pas trop tôt, jusqu'à maintenant, hein. On suis sorti en étant sous les yeux de tous. Pour faire des potions... Ah, des poisons. Veuillez employer des fougères. Poudre verte. Ah, ah. Enfin, pour des potions de soins, employez la poudre de nénuphar, poudre orange. Ah, j'ai dit nénuphar. Ah. Alors, c'est très con. Mais où est-ce que je me sers de l'eau? Je peux paraître débile. Mais les sources d'eau sont pas si fréquentes que ça en Arx Fatalis. Je vais m'adresser à monsieur. Bonjour, monsieur l'alchimiste mage. Je suis Felnor, alchimiste du royaume et ami du regretté Phalan Orbiplanax. Qui était Phalan Orbiplanax? Phalan était notre astronome. Il est mort il y a quelques jours. Je pense qu'il était sur le point de mettre à jour une terrible machination, mais il n'a pas eu le temps de m'en dire plus. J'enquête sur les rituels et la mort de Phalan Orbiplanax. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ces deux choses sont liées. J'ai ici une note que Phalan m'a donnée le jour de sa mort, au cas où quelque chose se passerait mal. Je n'ai pas vraiment réussi à comprendre ce qu'elle signifiait. Peut-être le pourrez-vous. Ah ! Avec une carte mise à jour. Ouh ! Merci, monsieur. C'est cette note. Alors, 6 devient 4 quand vous lui ôtez le premier. Le premier multiplié par le second fait le dernier. Et le dernier multiplié par le premier donne 16. La 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 la, cours de maths déguisé. Alors, 6 devient 4. Quand vous lui ôtez le premier. Bah, le premier serait 2, parce que 6, on lui ôte 2, ça devient 4. Donc, le premier serait 2. Si 2, voilà, le premier multiplié par le second fait le dernier. Et 2 fois quelque chose égale le dernier. Et le dernier multiplié par le premier donne 16. Donc, c'est-à-dire que 2 multiplié par quelque chose égale 16. 8, eh oui, 2 fois 8 égale 16. Donc, le dernier est 8. Le premier est 2, le dernier est 8. On relie. On a déjà 2. En fait, c'est une équation, qu'on appelle ça, à x inconnu, à plusieurs inconnus. C'est bien fait, hein. Je me souvenais pas de ça. Donc, 2 est le premier, 8 est le dernier. 6 devient 4 quand vous lui ôtez 2. Hein, 2 multiplié par le second fait le dernier. 2 fois quelque chose égale 8, c'est-à-dire 4. Donc le second serait 4. Donc il n'y aurait que 3 chiffres mystères. 2, 4, 8. 248. Ok. Je vais manger quelque chose. Ah merde, mon perso a faim. Une petite fringale. Qu'est-ce qu'on va se manger? Alors, nous avons du poisson ou du rat. Bon, un petit rat burger, ça se refuse pas. Voilà. Attendez, je vais sauvegarder et je vais aller dans cette émanation magique. Je vais voir s'il m'arrive quelque chose de bien, de mal, de... C'est... Mystère, voilà. J'en suis à mystère. Je valide. Ah, c'est un mur. Par la magie du démon, c'est un mur, un champ de force.
Oh là là, trop fort. Un jour, je saurai faire ça. Hein, madame? Alors, pourquoi vous ouvrez la porte? Ben pas, non. Hein, madame? J'enquête sur la mort de Fallan. Vous devriez pousser votre investigation dans son laboratoire ou ses appartements. Alors, laboratoire, pourquoi pas? Par contre, ses appartements, je suis navré de vous dire, chère madame, que j'ai voulu m'y rendre et c'était verrouillé. Et je me suis pas autorisé à forcer la serrure. Pas encore. Si à terme, effectivement, je trouve pas le moyen d'ouvrir proprement, hein, je vais... Ah ! Voilà, soupir. Observatoire, ouais. C'est là où il y a son collègue. Allez ! Quelques escaliers à grimper, c'est un peu comme la tour Eiffel. La la la, la 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 la. Tibidi, tibidi, bidou. Suis Beris. Que pouvez-vous me dire à propos de ces rituels? Connaissez-vous l'assassin de Fallan Orbiplanax? Je ne sais pas vraiment de quoi vous parlez. Vous savez, je suis encore novice dans ma profession. De plus, je déteste la violence. Ouais, j'aime pas trop sa réponse. Les étoiles vous ont appris quelque chose? Excusez-moi, mais j'ai vraiment beaucoup de calculs à vérifier et de nombreux horoscopes à préparer. Bon, une autre manière de dire, allez vous faire voir. Oh, il est beau le firmament chez eux. Toutes ces étoiles. Oh, lui, il va vraiment pas m'aider. 248, la 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 la, c'est une combinaison pour plus tard. Chibidibidibou. Oh, j'avais fermé la porte. Y'a de l'abus, je ne sais plus fermer les portes. C'est quoi ça, bibliothèque et laboratoire? Ah oui, non, c'est vrai, pardon. Ouais. L'autre aile du château, mais mal connue d'ailleurs. Hein, madame? Merci, madame. Oh, dur. Oh, ce buste incrusté dans la... dans le mur est particulier. C'est fermé. Là, là, là. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis trop occupé pour vous parler. Ah, y en a qui sont plus ou moins aimables. Là aussi, je soupçonne une porte. Non, c'est pas possible. Lui, la carte, c'est pas possible. Je vois des passages secrets partout. Ah, c'est la prison. Quand tu es dans le donjon. Il y a... Ah! Ces histoires de trappes me bouffent. Il n'y a rien dans les cellules. Une jarre. Ouais. C'est le coin du condamné. J'ai envie de dire que la cellule est plus sympa. Vaut mieux être prisonnier chez les humains que chez les gobelins. Hein. Vache, chez les gobelins, c'était sacrément sommaire. J'ai envie de forcer cette serrure de trappe de mes deux. L'envie et exploration, voilà. Je pense que j'ai endommagé mes outils. Je vais persévérer. Je ne peux pas faire ça. Je pense que j'ai endommagé mes outils. Bon, je pense surtout que je vais recharger ma sauvegarde. Hein.
Voilà. Ah bah merde alors. Merdoum. Merdoum, crotoum, chiotoum, bordeloum. Papa, 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 Ah, mais c'est la cuisine de... Oh, le château. Mais où est le cuistot? Je suis sûr qu'il cuisine divinement bien. Une vasque. Oh, une carotte, une poireau, c'est merveilleux. Oh, la cave. Ah, il y a un bouquin. La cuisine pour les gobelins. Pour les gobelins? Pourquoi pour les gobelins? Qu'est-ce qu'un cuistot humain utilise un livre de recettes pour gobelins? C'est... Attendez, pardon, je m'enferme dans la réserve là parce que... On a le droit de regarder. Alors, de l'ail, du poisson, des... tomates, carottes, poulet, pain, poireau. C'est merveilleux tout ça. De la farine à gogo. Un morceau de bois. Je pense que les morceaux de bois, il y a les moyens de les transformer en torches, mais je sais pas comment on fait. Il y a de l'eau et du vin. Oh là 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 là. Et comment on fait pour remplir ces fioles vides de flotte? Parce qu'à part la source de tout le début, là, dans les... Enfin, et encore, l'eau, elle est pas propre à la consommation, elle est dégueulasse, elle est souillée. Bon, vous me direz, on n'a pas vu beaucoup de robinets, hein, dans le... La tuyauterie dans Ars Fatalis, ils connaissent pas. Attends. Livre pour les gobelins. Il n'y a qu'une page, en plus. La recette pour faire des crumbles. Mélanger le sucre avec la farine. Rajouter une mesure d'eau et malaxer la pâte pour obtenir quelque chose d'homogène. Lorsque c'est fait, mettez au four en faisant bien attention de ne pas brûler le tout. Une fois que c'est cuit, prenez un œuf de poule et mélangez bien le jaune et le blanc. Étalez cette mixture sur votre gâteau cuit et remettez au four pour un tout petit moment. Sympa la recette. Je suis tenté de shipper l'ouvrage et je vais l'offrir au cuistot gobelin. Il était gentil comme tout, le cuistot gobelin. Qu'est-ce que le cuistot humain a fait avec ce bouquin? Franchement, ça m'étonne. Ah, j'avais des côtelettes de rat à cuire. Je profite du feu. La 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 la. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ah, si la cuisine pouvait être aussi simple en vrai. En deux clics, ping, c'est prêt. Hop là. Tiens, d'ailleurs, l'autre, je la ramasse pas, mais je la mange direct dans les flammes. Ah, merde, je peux pas. Il a peur de se brûler. Il a raison. Voilà. Ah, bon. Ah, ça doit être encore la nuit, à mon avis. C'est pour ça que le cuistot est pas là, il dort. Merde. Ça veut dire que les commerçants ont toujours pas rouvert. Je fais exprès pour tuer le temps de faire l'aller-retour jusqu'à chez les gobelins. Offrir le bouquin au cuistot gobelin avant de revenir ici. Oh là 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 là, ce serait abusé, mais bon, écoutez. Oh, c'est beau. Oui, oui, c'est bien la surface. Hein. Le rez-de-chaussée numéro 1 correspond quasiment à la surface. Mais...
Il y a un truc qui est pas cohérent. Le firmament. Depuis l'observatoire qui est, excusez-moi, un étage juste au-dessus, là, au rez-de-chaussée, par rapport à la surface, là, dans les... Hein, dans la montagne creusée en tant que château. Pourquoi je vois pas le firmament avec les étoiles Éventuellement, on peut essayer d'imaginer que la coupole de l'observatoire est un miroir grossissant. Allez, on est prêt à l'admettre. Parce que là, la logique voudrait que je vois les étoiles. Je suis désolé. Qu'on me parle pas de météo, hein, ça tire pas de beau. Je suis pas allé dans la flotte, moi. Il y a peut-être un truc à faire. D'ailleurs, c'est bête, mais même sur les murs, regardez, il y a des trucs qui traînent. Oh, il y a plein de choses à faire. C'est trop de mystère, Arc Fatalis. Allez, hop, je me jette à l'eau. Et je peux pas remplir mes fioles d'eau. Enfin, là, c'est un peu dégueu, mais... Oh, avec un peu de chance, il va considérer ça comme étant de l'eau de source, non? Non, ça marche pas. Bon. Oh, non. Oh! La fiole qui se déplaçait toute seule. Excellent. Je peux pas la remplir comme ça, j'ai pas le droit. Oh, je suis déception. C'est considéré comme étant de l'eau souillée. La 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 la. C'était, c'est quoi ça? Oh, c'est un rubis. Ah non, c'est un anneau de sort, magie plus 10. De l'avantage de l'exploration, de bien se promener, regarder dans les recoins. Les concepteurs du niveau se sont fait une joie de récompenser les fouineurs. Je m'équipe de cet anneau et... Ah, j'ai plus 10 en magie. Ah, c'est bien. Je suis déjà plus puissant. Ça mène où ça déjà, je sais plus. C'est un marchand, je crois. Non. Mon beau frère, il dit que dehors il y a le soleil. Et qu'en fait, si on est là, tout c'est qu'on est retenu prisonnier. Eh bien. Ça fait théorie complotiste, mais... Ça pourrait être crédible. Le problème, c'est qu'effectivement, chaque fois que je viens ici, il fait nuit. Hein. Non, j'ai cru que j'allais pouvoir entrer par la meurtrière, moi. Je suis désolée, mais je ne vais rien pouvoir vous vendre aujourd'hui. Ah bon? Je ne suis pas bien. Je vais devoir fermer mon échoppe maintenant. Vous avez besoin de l'aide du guérisseur? Non, je ne suis pas malade. Je ne vais pas bien parce que ma petite fille Shani a disparu depuis hier. Ah. Je ne sais pas où elle a pu aller. Disparue? Elle jouait de l'autre côté de la place, près de la bijouterie. Et elle n'est jamais revenue à l'échoppe. Personne ne l'a vu. Et les gardes sont bien trop occupés avec cette menace illicite pour s'en charger. Je vais essayer de comprendre ce qui est arrivé à votre fille. Oh, merci. Vous êtes un envoyé des dieux, voyageur. Si on veut. Mais la gamine, on l'avait vue la dernière fois. Elle disait aux gardes, je suis assez grande maintenant. La pauvre. Bon, bah j'ai... Voilà, madame a fermé, je comprends. Ah, il y a une serrure. Suite à de nombreux incidents, il vous est demandé d'éviter le voisinage de la crypte signée Carlo. Oh. C'est tellement tentant de descendre dans la crypte. Je vous avais dit que je ferais un jeu d'horreur. Eh ben, c'est maintenant. Oh mon dieu. Oh, ce serait trop classe. Mais oui, la puce, elle était là, souvenez-vous. Oh, elle était toute mimi dans sa petite robe blanche. Oh merde, elle a disparu, la malheureuse. C'est moche. Laissez-moi tranquille ou j'appelle les gardes. Non, excusez-moi, et oh. Ah. Je crois que j'ai entendu quelque chose. Allons-nous-en.
Quoi? Ne me dis pas que... C'est là que jouait la fille. Ne me dis pas que le gars était en train de... De persécuter la demoiselle. Attendez, excusez-moi, police. Ah non. La petite fille attendra, c'est dégueulasse. Jetez un coup d'œil à mes... Oui! Je veux jeter un coup d'œil à tes marchandises. Mais c'est trop bizarre. Ah bah tiens. Alors, j'ai à vous céder 2 rubis. Oh, je gagne en... Magnifique. Oh là 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 là. Rien que par le commerce, je gagne de l'expérience. Oui! Je vais pouvoir manipuler l'arme. Oh là... Mais je joue trop bien. Oh... Je joue que trop bien. Force, mana. Un peu la force. J'aimerais bien péter les murs là. Il y a 2 murs que je suis censé péter en aglo. Ce serait bien. Ma défense, c'est pas mal du tout. Hein. Magie. Allez, j'augmente, je mets tout dans la magie. Faut que je devienne bon magicien. Il faut. Voilà mon anneau de plus 10 magie. Ah oui, il faut. Et après, j'ai des anneaux pas identifiés, mais bon, bref. Que voulez-vous? Oh là là, j'en suis à 1500 pièces d'or. 1684, qui dit mieux? 1817. Alors, quel est son autre coffre avec les... Il a un coffre de gemmes pas taillées. Oh, magnifique. Nous allons devenir associés. Écoutez ce doux son. Monseigneur, il est l'heure de vous lever. Ah ouais. Ah ouais, je me douche dans la richesse comme Picsou dans son coffre-fort. Je suis devenu incroyablement cupide. Si mûche, et ça me causera ma perte, comme dans Spiel du Ki. J'en suis à... Oh, 2600 et quelques. Oh. Et le mec, il devient abject. Toi, je t'achète. Tu deviens mon esclave. Oh mon dieu. Ah. Petite clé en métal. Mais pourquoi j'ai plein de clés? Je sais plus ce que j'ai fait là, merde. Attendez, excusez-moi. J'ai une petite clé en métal et une petite en or. J'ai pas fait gaffe. C'est en discutant avec le roi. Le roi m'a peut-être cédé les clés. J'ai pas fait attention. Il faudra que je retourne au château rouvrir les portes. Hein? Bon. Je suis riche. Il y avait quoi dans l'autre coffre? Oui, des anneaux. Des anneaux quelconques ou des anneaux... des anneaux de qualité, mais des anneaux non enchantés. Mais merci, je suis ravi, je reviendrai. Quand j'aurai à nouveau plein de pierres précieuses. Alors attends, l'enquête de l'horrible disparition de la puce. Oh là 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 là. Oh là 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 là. La petite. Allez, on va dire... la petite disparue. Oh, c'est tragique, mais c'est beau, ce titre. La petite disparue. On l'a plus vue au détour d'une rue.
J'ai eu le doute s'immisce dans mon esprit au niveau côté pratique avec YouTube. Ça fait déjà 1h30 que je suis dessus. Est-ce que je coupe ma vidéo maintenant et j'en refais une de 1h30 là jusqu'à 18h et quelques avant de passer à Portal 2? Parce que là, mon rythme est tellement bon. Ouais, allez, je vais couper en deux mon enregistrement. Attendez. Pardon, 30 secondes. Il y a qu'avec Final Fantasy qui a rallonge que les épisodes de 4 heures, ça me fait ni chaud ni froid. Mais Arc Fatalis, le rythme est différent.